Tomorrow marks 25 years since one of the darkest chapters in Canadian history. Mark Lapine. Let's talk about gender, baby. Les réflexions concernant l'émancipation et les droits des femmes apparaissent de nombreux siècles avant nous. Le féminisme n'apparaît pas ex nihilo, c'est le fruit d'une longue réflexion sur la place des femmes dans notre société. À la fin du Moyen-Âge, de nombreux auteurs masculins notamment orientent leurs pensées vers ce qu'on pourrait appeler le féminisme, bien que le terme n'existe pas encore à l'époque. Ces auteurs affirment que la domination des femmes par les hommes n'a pas de fondement naturel, et c'est notamment ce qu'évoque le philosophe et écrivain français François Poulain de la Barre en 1673 dans son ouvrage « De l'égalité des sexes ». Bien avant, Christine de Pizan, philosophe et poétesse française, écrivait sur les femmes, notamment dans son ouvrage La Cité des Dames en 1405, et d'ailleurs, nombreux de ses ouvrages sont considérés en fait comme les premiers ouvrages féministes de la littérature française. Le terme de féminisme apparaît dans les années 1880 avec Alexandre Dumas et Hubertine Auclert. Ce terme en fait, il désigne un ensemble de mouvements et d'idées qui ont pour but d'atteindre une certaine égalité ou équité, comme tu voudras, entre les hommes et les femmes. Plusieurs moments forts ont marqué l'histoire du féminisme. Il y a notamment trois vagues à ce féminisme. Alors la première vague du féminisme, elle débute à partir du 19e siècle environ et se termine et laisse place à la deuxième vague du féminisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les révolutions de 1789 et de 1848 soulèvent des espoirs chez les femmes pour l'abolition des privilèges et des distinctions de classe. Alors on a deux courants importants du féminisme qui émergent durant cette période. D'un côté, le féminisme libéral où l'organisation capitaliste de la société n'est nullement remise en cause. Et de l'autre, le féminisme socialiste où l'émancipation des femmes n'est pas possible en fait dans une société capitaliste, mais dans une société socialiste, et ça doit se faire par une révolution. Cette première vague, elle est symbolisée par une forme d'essentialisme, c'est-à-dire que les féministes, elles, demandent une plus grande reconnaissance des valeurs dites féminines, telles que la douceur, la compassion, la maternité, etc. De nombreuses et nombreux femmes et hommes s'inscrivent dans un féminisme dit différentialiste, c'est-à-dire que l'essence d'un être précède son existence. L'éducation des jeunes femmes à l'époque, elle est encore très limitée. Faudra attendre 1850 avec la loi Falloux pour que les premières écoles de filles apparaissent, bien que les apprentissages sont encore très différenciés entre les deux sexes, puisqu'on aura par exemple des cours de ménage, des cours de cuisine pour les jeunes filles et pas pour les jeunes garçons. Julie Daubier sera l'une des premières femmes à obtenir le baccalauréat en 1861 en France. Je t'invite à aller regarder du côté du saint-simonisme, qui est un courant idéologique qui est très présent durant la révolution industrielle. Et il y a pas mal de féministes qui s'inscrivent en fait dans ce mouvement-là. Et il me semble notamment que le saint-simonisme a permis justement à Julie Daubier de passer son baccalauréat. Il me semble qu'il y a eu un appui important de ce mouvement-là. Du coup, je t'invite à aller voir un peu plus, à te renseigner sur ça parce que c'est un point clé. Voilà, que je mentionne juste dans la vidéo. Alors également, cette première vague en fait, elle est marquée par le droit de vote, puisque à cette période, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. Et du coup, par rapport à ça, on va avoir le mouvement des suffragettes qui va d'abord s'effectuer au Royaume-Uni et ensuite en France. Ces militantes pour l'obtention du droit de vote des femmes, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, qu'on surnomme les suffragettes, optent pour des formes d'action violentes et radicales, comme des incendies volontaires, des vitres brisées, etc. Alors en France, on a Louise Weiss, qui est une journaliste féministe et femme politique française. Elle fonde en 1934 l'association Les Femmes Nouvelles, et elle va organiser de nombreux événements en fait pour sensibiliser l'opinion publique à cette question de l'obtention des droits de vote des femmes. Elle va organiser notamment une distribution de chaussettes auprès de sénateurs en 1936, avec pour inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront encore et toujours raccommodées ».
Alors Louise Weiss, elle va se présenter à plusieurs élections municipales en France alors qu'elle n'y est tout simplement pas autorisée en tant que femme. Les militantes féministes du Royaume-Uni, elles obtiendront le droit de vote en 1818 à partir de 30 ans et ensuite c'est en 1926 que ça passera à 21 ans comme les hommes. Et en France, l'adoption de ce droit, ça sera beaucoup plus tardivement puisque ce sera réellement en 1944 que ce droit existera. Mais les femmes pourront réellement voter à partir de 1945. Alors on a certaines personnalités telles que Louise Michel, Hubertine Auclair ou Madeleine Pelletier qui ont marqué en fait cette première vague du féminisme. Madeleine Pelletier par exemple, anarchiste et féministe, elle sera en 1906 la première femme médecin diplômée en psychiatrie. Elle milite notamment pour l'obtention du droit de vote des femmes en France, elle est également en faveur de l'avortement et de la contraception. Elle pratiquera également plusieurs avortements clandestins sur plusieurs femmes. On a la loi Camisset de 1880 qui institue un enseignement secondaire pour les femmes en France. La loi Naquet en 1884 qui rétablit le droit de divorce pour les femmes en France. La loi de 1892 qui autorise le port du pantalon pour les femmes à condition que celle-ci soit accompagnée d'une bicyclette ou d'un cheval à la main. La loi de 1907 qui autorise, pour les femmes mariées uniquement, le droit de disposer de leur salaire. Et ensuite, en 1942, sous le régime de Vichy, l'avortement qui est un délit devient un crime contre l'État et est puni de la peine de mort. Il sera rétabli grâce à Simone Veil en 1975. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. N'hésite surtout pas à réagir en commentaire, à me dire également ce que tu as pensé de la vidéo et à me corriger encore une fois. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !